TVA intracommunautaire. D'accord? Donc, on voit bien que la TVA sur les importations et les exportations ont un rôle complètement différent. On va déjà s'intéresser aux exportations. Exportations hors Union européenne. Dans l'Union européenne, pas de TVA. La facture a été mise hors taxe et nous, on l'enregistre hors taxe. Donc 411 au débit pour le montant hors taxe, 707 ou 706, peu importe, au crédit pour le montant hors taxe. L'impact de la TVA ne nous appartient pas. C'est le pays qui va recevoir la marchandise qui va mettre ses propres taxes. Maintenant, l'importation. Importation hors Union européenne. Là encore, la facture arrive hors taxe. Chez nous, elle passe à la douane, mais dans notre comptabilité, elle arrive hors taxe, on l'enregistre hors taxe. 607 au débit pour le montant hors taxe, 401 au crédit pour le montant hors taxe. Parallèlement à la facture du fournisseur, la douane va nous faire une facture avec des taxes et de la TVA. Mais nous, c'est hors taxe. Cas de figure suivant, importation cette fois-ci. Dans l'Union européenne. Là encore, la facture arrive hors taxe. Là, par contre, nous, on l'enregistre dans un premier temps hors taxe, en 607 ou en fonction du compte de charge. On rajoute la TVA au taux normal en France, 44,566. Là encore, au débit pour la TVA. Le fournisseur de l'Union européenne, on va le payer évidemment hors taxe. Et on rajoute une quatrième ligne, le compte TVA dû intracommunautaire pour le montant de la TVA au crédit. On voit bien que la TVA, c'est transparent. On la retrouve au débit en 44,566 et au crédit au 445,200, ce qu'on appelle l'autoliquidation de la TVA. Merci.